Salut les amis, c'est Bigouf, j'espère que vous allez bien, moi c'est la super forme et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans World of Tank Blitz. Pourquoi petite? Bah parce que déjà vous voyez il y a des petits tiers. Je sais pas si vous avez fait attention dans les actualités et je vous montre trois chars qui vont être modifiés et malheureusement modifiés pourquoi? Surtout un qui va être modifié au niveau de son prix en pièces d'or qui est le Valentine 2. Je parle de celui-là en premier parce que... Comment dire, quand vous allez avoir la nouvelle mise à jour, il va augmenter de tarification. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous invite grandement à aller voir sur ma chaîne ce Valentine 2 pour voir un petit peu ce qu'il vaut en tant que char premium de tier 4. C'est un char léger, hein. De toute façon les trois ce sont des légers actuellement, absolument. Et là faites-vous plaisir mes amis, les trois chars que je vous montre actuellement sont à moins 50%, c'est-à-dire que le Locus, le T15 et le Valentine 2 sont aux alentours de 500 pièces d'or. Moins 50%, ça fait toujours plaisir, sachant que le Valentine 2 lui va passer bientôt de 1000 à 1500 pièces d'or. Vous imaginez un petit peu, vous allez faire une économie de 1000 pièces d'or si vraiment vous êtes intéressé maintenant. Et aussi pourquoi... Pourquoi il y a le Locus et le T15? Car là, actuellement, vous les avez dans les arbres techno et malheureusement, dans la prochaine mise à jour, ils vont être remplacés, c'est-à-dire que ces deux-là vont être retirés. Alors, si vraiment vous êtes intéressé de vous éclater avec des tout petits tiers, bah faites-vous plaisir maintenant, il ne vous reste que quelques jours. La mise à jour, vous savez, en moyenne, elle arrive mardi soir, mercredi matin. Voilà, lors de la prochaine mise à jour, ces deux chars vont disparaître et de nouveau vont revenir. On en reparlera au pire quand la mise à jour sera là. Mais voilà, faites-vous plaisir mes amis. Ils sont vraiment à moins 50%, sachant que le T15, lui, vous coûtera que 475 pièces d'or et le Locus 500 pièces d'or à moins 50%. Franchement, profitez-en maintenant si vraiment vous êtes intéressé. Bon, après, c'est vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est grâce à une personne de mon clan qui m'a tenu au courant des actualités. C'est vrai que moi-même, des fois, je ne fais pas forcément attention à mes actualités. Et il m'a demandé, il m'a dit, préviens peut-être nos amis. Alors, c'est ce que je fais, voilà. Et en même temps, je voulais faire une petite... Alors, il y a des petites choses, des petites nouveautés maintenant. Comme vous le savez, avant les vacances, nous faisions des vidéos du lundi au dimanche. Vous savez que la semaine, c'était à 17h30 et le week-end à 10h30. Alors, il y en a certains qui vont certainement être déçus. Malheureusement, le week-end, il n'y aura plus de vidéos. Ça vous laissera le temps de regarder si, admettons, vous avez loupé une vidéo dans la semaine, de la regarder. Voilà, je vais plutôt me consacrer à ma vie de famille le week-end. Je vais me consacrer à vous la semaine, mais à ma famille le week-end. Donc, samedi, dimanche. Nous, maintenant, ça sera... On se retrouve seulement du lundi au vendredi à 17h30, sans faute. Absolument. Hein. Parce que, bon, en plus, mon travail qui a changé, donc c'est pas forcément évident pour moi. Et en même temps, ça y est, je rouvre la salle des recrutements. Alors, là, j'ai parlé un petit peu plus fort. Pourquoi? Parce que vous le savez que mon clan, personnellement, de Bigouf, absolument, toujours plus de blindés. On est là pour l'amour des chars et surtout le plaisir de jouer sans prise de tête. Absolument. Alors, vous êtes énormément nombreux à vouloir venir. Comme vous le savez, j'ai des critères de recrutement. Sauf que là, maintenant, j'en ai rajouté un. Voilà, depuis les vacances, je me suis dit, il faut que j'en rajoute un parce qu'on peut avoir le nombre de batailles requis, le nombre de victoires. Mais je vais pas dire d'être... pas un très bon joueur, mais voilà, il faut évoluer, on n'a pas le choix. Même moi, j'essaye de faire des efforts pour vous. Voilà, donc maintenant, j'ai rajouté un nouveau critère de recrutement, c'est la cote personnelle. Voilà, votre cote personnelle. Alors, il faut que vous ayez au minimum 4000 batailles. Voilà, vous avez 4000, une bataille, c'est très bien. Vous avez plus de 50% de victoire, c'est parfait. Mais maintenant, j'ai rajouté un critère supplémentaire qui est la cote personnelle. Et je demande qu'elle soit au minimum à 3500 de cote personnelle. Pourquoi? Parce que la cote personnelle, tout simplement, reprend tous vos techniques, voilà, en dégâts moyens, coups au but, taux de survie, taux de victoire. Donc, elle va résumer un petit peu votre comportement en jeu. Hein, pas comportement, attention, hein, je ne parle pas si vous êtes un petit gueulard, si vous êtes toujours en train de rigoler, voilà. Alors, comme vous le savez, hein, nous, on est vraiment là pour rigoler, pas se prendre la tête. Et voilà, on est vraiment là pour se détendre. Il ne faut pas oublier, mes amis, ça ne reste qu'un jeu. Même si je vous avoue que, par moments, moi aussi, ça me... Voilà, hein. Mais bon, on est là pour jouer. Et on ne se prend pas la tête. Mais voilà, maintenant, les salles de recrutement sont ouvertes. Donc, Jocel73, d'ailleurs, petit big up à toi, bon, comme à tout le monde. De toute façon, je fais un gros big up à vous tous. Va ouvrir la salle de recrutement. Bien sûr, je vais veiller personnellement à ce que mes critères de recrutement soient respectés. Comme je dis, c'est 4000 batailles minimum,
50% de victoire et la cote personnelle qui est à 3500. Si malheureusement vous n'avez pas ces trois-là, je suis désolé, vous aurez beau essayer de m'envoyer des messages, même si vous êtes à 49,98% de taux de victoire, vous me dites « oui, je peux rentrer, je vais avoir… » Eh ben, je suis désolé, c'est la règle, on ne peut pas, je ne suis incorruptible, voilà, absolument, mais c'est, voilà, on est droit. Eh bien écoutez les amis, voilà, je pense que j'ai tout dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable vidéo. Par contre n'oubliez pas mes amis, ces deux chars là vont bientôt disparaître, seront remplacés par des nouveaux, donc on en reparlera lors de la prochaine mise à jour. Profitez-en, ils sont là encore pour quelques jours et en plus là, moins 50%, donc profitez-en très vite. Et puis bah, même le Valentine 2, hein, là il sera toujours là lui dans la branche, mais là il est à moins 50% avant qu'il augmente beaucoup. Donc faites-vous plaisir, allez voir au pire sur ma chaîne, il y a les vidéos, hein, vous allez dans la playlist des chars de la boutique Chars Premium, vous allez certainement les trouver. Alors faites vite, regardez ça et faites votre point de vue personnel. Et puis bah, moi je vous dis bah, à très vite pour de nouvelles aventures. Allez les amis, je vous souhaite d'agréables vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça me fera un énormément plaisir, hein, absolument. Et aussi à t'abonner si c'est pas encore fait. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt. Allez les amis, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao !